Good evening business, la grande interview. Notre invité, c'est Pascal Cagny, l'ambassadeur en charge des investissements internationaux et aussi président de Business France. Bonsoir Pascal Cagny, ou bonjour, il fait encore très beau à Davos. Bonjour, avec un vrai soleil en plus. Oui, et on voit vraiment le réchauffement climatique ici. Je crois que c'est la première fois en 14 ans que je viens à Davos que je vois le lac de Davos. C'est vous dire que si le réchauffement climatique, on en prend conscience ici, on va beaucoup en parler et on en parle déjà beaucoup. Plusieurs questions d'abord à vous poser, Pascal Cagny. Bah, la France est quand même un peu absente de ce 53e sommet. C'est les retraites qui font que personne n'a osé se montrer à Davos. Elle est évidemment moins présente que lorsque le président de la République y est venu avec beaucoup de succès il y a quelques années. Mais les grandes entreprises françaises sont présentes. Il y a un peu moins de tech. Amis de chez Insect et quelques autres sont là. Il y a une vraie représentation française, mais ce qui est vrai pour la France, c'est vrai au global. J'ai appris par exemple que près de 75% des capitalisations indiennes étaient présentes sur Davos, que 8 ministres du royaume d'Arabie Saoudite étaient présents et qu'il y a plus d'Indiens qu'il n'y a d'Allemands. Donc c'est vrai que quelque part, il y a une forme d'équilibrage du monde où d'autres nations moyennes utilisent Davos pour s'exprimer. Il y a un rééquilibrage, oui, ça c'est clair, mais un peu au détriment de l'Europe, il faut le reconnaître. Et certes, il y aura Olaf Scholz, quelque part, peut-être le président français ou le premier ministre, la première ministre, en choisissant de ne pas venir, ont laissé un tout petit peu la place libre aux Allemands pour expliquer, pour dérouler leur propre vision de l'Europe, non ? Je crois que la vision de l'Europe est très conjointe. Au contraire, c'est parce qu'ils doivent expliquer plusieurs choses qu'ils sont présents. Ils le font dans le cadre de ce qu'a présenté Mme Van Leyen, c'était encore ce jour mardi. Je crois que M. le maire, trois ministres vont venir, M. Becht, oui. Jean-Noël Barrot aussi et Laurence Boone, et notre ministre de l'Europe sont présents. Les grands groupes français, dont je vous rappelle qu'il y a plus de grands groupes français dans le Fortune 500 qu'il n'y en a en Allemagne et en Angleterre, sont très présents. Mais il y en a moins, vous qui venez depuis longtemps, vous le savez bien, il y a quand même un petit peu moins, c'est un peu révélateur. Mais c'est peut-être aussi un peu révélateur de Davos qui se cherche, parce qu'on voit bien, vous qui avez été, lorsque vous étiez chez Apple, vous étiez un des champs de la globalisation, on voit bien que la globalisation, tout le monde l'a enterrée. Est-ce qu'on va un peu trop vite, vous pensez ? On va trop vite, mais il n'y a aucun doute sur le fait que le iPhone, dont les composants parcourent 800 000 km, est un produit qui illustre parfaitement cette globalisation presque heureuse, où on allait chercher partout les produits ou les talents les plus compétitifs, à la faveur de l'augmentation du prix du fret, à la faveur de l'augmentation ou de la difficulté à trouver des talents, on va devoir mieux régionaliser ces chaînes de valeur. Donc c'est plus la même globalisation, mais elle restera là. Et puis c'est à nous d'Europe d'être un peu plus moins naïve et un peu plus combative. Et je crois que c'est ce qu'on va montrer ici. Alors justement, c'est ce qu'a dit ce matin Ursula von der Leyen, vous l'avez dit. Mais parlons de ce déjeuner de grands patrons où vous étiez à l'Elysée avec Emmanuel Macron. En fait, un peu une riposte, enfin essayer de trouver une riposte au mécanisme d'IRA qui a été créé par les Américains, qui est si efficace. Expliquez-nous d'abord un peu l'ambiance de ce déjeuner. Vous allez me dire que c'est forcément formidable, mais à part ça, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même des solutions rapides? Je crois qu'il n'est pas de mon propos de parler de ce déjeuner qui doit répondre aux règles même qui sont ici, c'est la loi de Chatham, mais il est clair qu'au contraire, ça illustre le fait que les Français travaillent et chasse en meute, ou du moins en équipe. C'est d'ailleurs tout le thème de ce qu'on a développé chez Business France avec le concept du Team France Invest, du Team France Export. Et dans un tel déjeuner ou ce genre de préparation, il s'agit effectivement d'avoir une forme de cohérence dans ce qu'on dit. Et je crois que les Français sont très présents. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir, pour une fois, depuis plusieurs décennies, depuis 3 ou 4 ans, une croissance qui est plus forte que celle du reste de l'Europe. On est près du plein emploi. Nous sommes, je vous le rappelle, c'est mon métier en tant qu'ambassadeur aux investissements internationaux, le pays le plus attractif d'Europe. Et pour toutes ces raisons-là, il s'agit de faire en sorte que cette Europe moins naïve, avec une présidence française de l'Europe qui a amené des législations très fortes comme le DSA, le DMA, puisse continuer à exister. Et les propos de Van Leyen ce matin sur une réplique à l'IRA va dans ce sens. Oui, ce matin, ce qu'elle a dit, c'était surtout sur les... on voit bien sur la crise de l'énergie, sur l'hydrogène, sur la transformation incroyable qu'on va connaître dans tout ce qui est les technologies innovantes, les technologies propres, qu'il fallait être plus rapide et efficace. C'est un peu le problème de l'Europe où on discute encore de c'est quoi le mot innovant, parce que si vous n'êtes pas innovant dans une technologie, ben vous ne pouvez pas avoir des subventions. Alors qu'aux États-Unis, vous arrivez, vous présentez votre projet et on signe en bas, quoi. Vous savez, il y a longtemps que je ne décris plus l'Europe. L'Europe est une réalité
qui a grandi avec toute cette génération, une Europe qui produit encore plusieurs dizaines d'unicornes, une Europe qui a des positions dominantes sur certains sujets, et puis qui monte finalement la voie, c'est ce qu'on montre aux Américains, sur la transition écologique et dont on doit être très fier. Donc l'Europe, elle est ce qu'elle est, elle vit avec ses crises, avec une guerre à ses frontières, et l'Europe aujourd'hui se dit au contraire, de manière incroyable, avec la présence du président Macron aux États-Unis, qu'on ne va pas accepter que les États-Unis mettent 369 milliards de dollars sur la table pour avoir une vraie distorsion des règles de compétitivité, pour ne pas respecter les règles de l'OMC. Et le président a été le premier à le dire. Aujourd'hui, de manière concrète, avec le Conseil européen dans quelques jours, on va agir. Et je crois que c'est ça, c'est très sain. Et donc, c'est ça qui doit intéresser les entrepreneurs, les citoyens d'Europe. Et justement, il y a le sommet franco-allemand qui avait été déplacé. Finalement, il aura quand même lieu, a priori, ce week-end avec Olaf Scholz. L'idée, c'est de trouver une parade. Mais vous qui connaissez bien les États-Unis, est-ce que vous pensez que les États-Unis, ils ont vraiment envie de coopérer avec l'Union européenne ? Les États-Unis ont un marché intérieur qui est tel qu'ils vont d'abord satisfaire leurs demandes à eux. Et puis, les États-Unis vont aussi, sont dans une bataille très forte, une confrontation forte avec la Chine. Une fois qu'on a dit ça, l'allié européen est réel, comme pour nous l'allié américain est réel sur les valeurs. Et c'est ce pourquoi vous avez encore des investissements qui se font, malgré l'inflation, malgré le coût de l'énergie en Europe, on le montre. Vous avez General Electric et d'autres sociétés qui investissent par exemple sur l'hydrogène vert en Europe. Donc je crois qu'il va toujours avoir cette relation un peu particulière, assez équilibrée entre l'un et l'autre. Mais il faut que ce tour l'Europe ait conscience de ses forces, de ses 500 millions de consommateurs qui sont, et puis montre la voie sur la transition écologique. C'est ce que nous demandent nos jeunes autour de nous. Et je crois que c'est ça qui est important. Pourquoi il n'y a pas eu le grand dîner Choose France à Versailles, toujours on the way to Davos ? Eh bien, parce que Choose France a eu un tel succès, je suis fier de le dire, qu'aujourd'hui, on aura un Choose France qui devrait se faire au mois de mai. Et aujourd'hui, on est capable d'attirer tous ces investisseurs indépendamment de Davos. Donc, je crois que c'est aussi une partie du succès de ces 4-5 dernières années où la France s'est réimposée sur la scène internationale. Est-ce que vous pensez, en dernière question, je reviens sur le point, que la tech, elle doit vraiment se réinventer ? Parce que c'est quand même significatif de voir qu'ici, il n'y a pas les grandes figures de la tech. Est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin, ils sont dans un trou d'air, il faut réinventer la tech. Et que la tech, elle est peut-être ailleurs. Je pense qu'il y a une forme de désynchronisation entre ce que l'on perçoit et ce que l'on voit, des capitalisations boursières qui ont baissé de manière conséquente, des licenciements, et en fait un foisonnement, un florilège d'innovation. Il suffisait d'être au CES, il suffisait de comprendre ce qui se passe sur les processeurs, le cloud, il suffit de comprendre comment on va finalement pouvoir faire de la capture de carbone, pour vous dire qu'aujourd'hui, à un moment donné où le nombre de dépôts n'a jamais été aussi important, où la France d'ailleurs continue à augmenter, que la tech est une des solutions des problèmes. Et je crois que derrière ce que vous pensez, c'est-à-dire une tech qui est challengée, il y a encore et toujours des ingénieurs qui créent. Et sachez que les Français sont très prisés là-dessus et continuent à créer. Merci. Oui, c'est vrai que la tech française, elle se porte bien paradoxalement. C'est pour ça qu'on regrette qu'elle soit, à part Ledger, après Insect, qu'elle soit un petit peu absente ici. On reviendra encore plus fort dans moins d'une année. Voilà, merci. Comme ça c'est dit. Pascal Cani, donc le monsieur ambassadeur des investissements internationaux et patron de Business France, était notre invité ici à Davos.